bonne année. Donc aujourd'hui on se retrouve pour, je vous avais demandé sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous avez le lien en barre d'infos. J'ai reçu le calendrier de l'Avent de chez Nyx de la part de mon frère et de ma belle-sœur pour Noël, donc j'ai pu ouvrir toutes les cases en même temps. Et je vous avais demandé si un make-up avec les produits qu'il y a dedans pouvait vous intéresser, en sachant qu'il y a beaucoup de produits lèvres et pas grand chose d'autre, hein, voilà, mais bon. Il y a des choses quand même super intéressantes. Alors, il n'y avait pas de blush, donc je vais mettre mon blush, j'avais tout fait, mon teint, sauf le blush et l'highlighter, parce que ça, il y en a. Donc je vais mettre mon blush de chez NYX que j'adore, c'est le Peach. Donc je le mets très souvent, hein. Voilà ce qu'il y en a pour le blush. Alors, il y a deux highlighters. Alors déjà, il y a aussi deux pinceaux. Alors, j'ai reçu ces deux pinceaux-là. Je suis légèrement dégoûtée parce que, bon, le pinceau plat, carré, à la limite, ça sert toujours pour faire le ras de cils, définir le sourcil à la limite. Mais alors, ce pinceau-là, je ne vais pas m'en servir souvent, je pense, hein. Donc, je suis un peu dégoûtée. J'aurais préféré un blender, mais bon. Je suis obligée de faire avec ce que j'ai. Et dedans, vous avez également un scrub pour les lèvres et un baume à lèvres de la même gamme qui est la This Is Everything. Et voilà. Bon, le scrub, j'ai pas encore testé. Celui-là, j'ai déjà testé. Et ma foi, il a l'air pas trop mal. Mais voilà. Petit combo bien sympathique. Alors, dans l'eau, il y avait deux highlighters. Il y en a un comme ça en un liquide, hein, le Away with Glue. Alors, la teinte, c'est Gold Rush. Alors, je suis pas fan des highlighters comme ça, mais maintenant, sur la paupière, ça peut être sympa. Et un duo chromatique comme ceci, en teinte, fleur écrasée. Sympatoche, sympatoche. Donc, je vais en mettre un de chaque côté pour tester, parce que bon, j'aime pas trop. On va commencer par celui-ci. Alors, j'espère que les couleurs iront. Parce que comme ça, ça fait un peu foncé, hein. Ouais, il y a du glow, mais bon, c'est pas... C'est pas folichon, en plus ça fait des taches. C'est pour ça que j'aime pas ces produits là, c'est que ça fait des taches. Bon, je vais mettre du même côté, des deux côtés, et on remettra l'autre par dessus. Après, ce genre de produit, c'est mieux de mettre avant poudré. Mais bon. Alors, on va tester celui-ci, qui m'a l'air quand même aussi assez foncé, hein. Mais on va voir, on va voir. Moi, il est pas mal celui-ci. Un chouïa foncé, mais ça va. Oui, ça va. Sympa. Pas testé sur depuis longtemps, mais il m'a l'air pas mal celui-ci. Alors, pour les produits yeux, j'ai eu deux crayons. J'ai eu celui-ci qui est un faux black en teinte onyx, donc qui est un gris, et celui-ci qui est un métallique. Alors, le capuchon ne tient pas. Voilà, c'est un peu chiant. C'est un or pailleté. Alors, je les ai testés. Oui, j'ai testé tous les produits. Par exemple, tous les produits lèvres. Je les ai tous essayés sur ma bouche. Parce que voilà, j'ai reçu le 24. On est le 28. Donc, non, je les ai reçus le 25. On est le 28. Mais voilà, j'avais tout swatché et tout ça. Et j'avais testé les crayons en muqueuse. Et ils ne tiennent absolument pas. Mais on va quand même se servir du noir de toute façon. Mais ça, c'est après. Et j'ai reçu donc un fard à paupières mono. Comme ceci, qui est un marron, tout ce qu'il y a de plus simple. Et la teinte, c'est Coffee. Donc, c'est un marron avec des petites nacres dedans, je crois. Il est satiné, il n'est pas pailleté, il est satiné. Et j'ai reçu un pigment libre comme ça, foil, en teinte un peu comme granate. Alors, je ne sais pas lire la teinte. J'ai également eu des glitters comme ça, dorés. Donc, les glitters, les dorés, ce n'est pas mes préférés, mais c'est un beau doré. C'est un doré un peu qui tire un peu un vieux, un or vieilli comme ça, un peu bronze. Donc ça, on va tester. Mais ce qui est pour du reste, je vais prendre la seule palette que j'ai de chez NYX, qui est celle-ci, la Crimson Ultimate, la Dark Shadow. Je vous avais fait une vidéo, une ancienne palette à make-up avec celle-ci, je vous la remets juste ici. Donc je vais commencer par poudrer par le beige ici, avec, je ne sais plus parler. Donc le reste des produits pour mon teint seront listés en barre d'infos, comme d'habitude. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur assez fluffy et je vais prendre la teinte... Oui, je vais rester dans les nudes de toute façon, donc un peu de taupe ici, juste à côté, pour faire mon creux. Oups. Je pensais que ça serait plus discret que ça. Donc toujours la même forme que d'habitude. Hein. Donc je refais mon ras de cils correctement avec un pinceau plat, parce que là, avec celui-ci, ça ne marque absolument pas. Donc je prends celui-ci, la même teinte, et je fais mon ras-de-cils. Alors je prends un autre pinceau, un peu estompeur comme ça, et je prends la teinte juste à côté pour
dégrader correctement cette couleur. Donc après avoir dégradé avec un pinceau estompeur strop, je vais prendre le petit fard comme ceci, la Toffi, et le pinceau biseauté, là c'est un pinceau sabot. Mario Caméléon en a parlé dans une de ses vidéos avec des paillettes, et je lui avais dit justement mais j'en ai pas, c'est chiant, donc on va tester. Et je vais le mettre en coin externe, bon, ça applique pas assez de matière, et en coin interne. Bon, ça applique définitivement pas assez de matière, donc on testera pour les paillettes. Hein. Alors je vais prendre le 231 de chez Zoeva. Ah c'est mieux. Hein. Comment on voit la couleur hein. C'est une petite teinte assez passe-partout, sympathique. Après c'est pas le genre de couleur que j'ai l'habitude d'utiliser, mais bon. Je restompe avec celui-ci le creux. Alors je vais quand même juste un petit peu accentuer mon coin externe. Donc je reprends ma palette et je prends le fard. Je vais garder le Zoeva et je vais prendre le fard juste ici. Et je dégrade bien entendu les bords. Donc ensuite je prends le petit foil, comme ça, le petit pigment foil. Avec un pinceau plat, celui-ci de chez Beige Cosmétique, parce qu'il est très bien pour les pigments et les fards crème. Donc je vais en prélever sur le dos de ma main parce que c'est vraiment de la poudre. D'ailleurs, je suis en train d'en foutre partout. Donc je vous montre pas trop, hein, parce que catastrophe is catastrophe. Je vais prélever des pigments et les mettre au centre. Oh les chutes. La couleur est sympa, mais il n'y a rien de transcendant. Hein. Par contre, ça chute à mort. Hein. Je les sens tomber sur ma face. On ne retrouve pas assez le côté métallique. Je pense que celui-ci, sur une base noire, doit être canon. Mais comme ça, en superposition avec des fards, c'est pas. Ça casse pas trois pattes, un canon. Hein. Donc voilà pour ça. Alors en coin interne, je vais quand même mettre une petite couleur. Non, je vais reprendre le highlighter que je vais donc mettre en coin interne. Et je vais prendre un tout petit peu d'highlighter comme ça liquide pour mettre au centre de ma paupière. Je vais utiliser le crayon noir en muqueuse. Donc je trouve dommage, c'est qu'ils n'aient pas mis une petite colle de chez NYX à paillettes. Donc je vais utiliser la mienne, celle de chez Francover. Comme d'habitude. Je vais reprendre ce pinceau-là et les petites paillettes dorées, bronze, argentées. Alors je prélève un petit peu de produit. On va essayer la technique de Marion. Hein. Et j'applique de la colle un peu partout. Je prélève les paillettes et je fais. Comme ma colle est déjà pailletée, je ne sais pas si on voit vraiment les paillettes. Là en fait elles sont en train de coller dans le fond du pot. Ouais, ça colle pas du tout, du tout, du tout. Donc je vais essayer au doigt. Ça déplace tout fort. Alors le tamis n'est pas super pratique parce que ça diffuse bien les paillettes. Mais ça les diffuse sur ma main. Donc ouais, elles sont canon. Là, je confirme. Elles sont vraiment très belles. Elles sont magnifiques. Et hyper fines. On les sent. Gros, gros, gros coup de cœur sur les paillettes. Pour l'instant, c'est le produit que je préfère. Et je pense que je vais m'en acheter d'autres. Bon, après, c'est vrai que ma base, moi, est déjà pailletée. Donc, ça donne un petit côté holographique en plus. Mais elles sont magnifiques. Je vous jure. J'adore. Elles sont belles. Elles sont vraiment très belles. Donc maintenant, j'en ai absolument partout. Mais elles sont très belles. Oh merde, je n'ai pas utilisé le petit pinceau là. Tant pis. Donc je vais mettre quand même un coup de spray fixateur pour être sûr que les paillettes tiennent un peu. Et je vais faire ça avant de mettre mon eyeliner. Donc voilà, je me suis largement foirée sur le liner. Mais on fera comme si c'était joli. Donc on a un mascara à tester. Ça, j'adore tester. Donc c'est le Worth the Hype. En tablette. Voilà, tout simplement. Donc c'est une brosse à poils comme ça, en forme de sapin. J'adore. Alors on va tester ça. Donc je vais pas le tester sur les cils du bas par contre. Bon, en une couche, il n'y a rien de transcendant. Mais bon, comme je mets toujours deux, on va voir. Donc je vais faire mes cils du bas le temps que la première couche elle sèche. Et pour ça, je prends toujours mon Catrice hein, comme d'habitude. Et le liner, c'est l'essence comme d'habitude. Donc c'est largement la vidéo catastrophe de l'année. Pour finir l'année, c'est très bien. Je viens de me foutre le mascara dans l'œil. Ça a dégueulé et tout. Ça m'énerve. Donc le mascara, bah,
casse pas trois pattes à un canard non plus. Hein. Il n'y a pas énormément de volume. Ils disent volume quand même, je suis pas bête. Je vais lire. Maintaining, voluming and maintaining. Donc allongeant et volume. Je sais pas ce que vous allez voir, mais non. Il y en a un peu, hein, si vous aimez les mascaras assez, assez soft. Vas-y, la troisième couche. La couche extrême. Entre couches, c'est légèrement mieux, mais c'est encore pas. Ça vaut pas mon essence, quoi. Donc, je vais peut-être le laisser vieillir un petit peu parce que souvent, les mascaras sont mieux après qu'ils aient pris un peu de l'âge. C'est comme les hommes. Alors, voilà. Donc, là, on en est rendu. On a terminé les yeux et le produit qui me plaît le plus, ce sont les paillettes. J'adore, j'adore, j'adore les paillettes. Donc, ça, je vais m'en acheter d'autres. Il faut que je passe chez NYX. Bah, nous, on a une boutique L'Oréal en fait qui vend les produits NYX. On n'a pas de boutique NYX à proprement parler. Mais jusqu'à maintenant, ouais, c'est le produit qui me plaît le plus. Ils sont trop belles. J'adore. Donc ensuite pour les lèvres, on a reçu donc deux crayons. J'ai eu un nude rétractable, tout ce qui est plus basique et qui s'appelle nude. Et j'ai eu un NYX suède en teinte Doom. Non. Si, Doom. Qui est un prune. Un violet. Les prunes comme ça, donc il n'y a pas le rouge à lèvres qui va avec. J'ai reçu un gloss transparent comme ça qui est le Filler Instinct, donc c'est un plumping. Moi j'aime pas tout ce qui est gloss et tout ça, je coupe pas après. Dans les autres gloss qu'on a eu, on a eu un candy stick en teinte rouge. Donc les teintes varient suivant les calendriers, les pinceaux aussi. Et malheureusement, j'ai pas eu de bol sur le pinceau, j'aurais préféré les stampeurs. J'ai eu un slip tease, donc c'est un gloss teinté qui est très opaque, ma foi, je l'ai testé, et qui ne colle pas, et qui sent super bon. C'est un nude, donc... Après, moi, j'aime pas les glosses, mais ceux-ci, je les ai testés, et ils collent absolument pas. Donc ça, c'est génial. On a eu un liquide suède métallique, qui est la teinte... Enfin, j'ai eu, hein. Oh là là, motarde canon, je suis tôt. Donc là c'est un prune, un peu bordeaux prune, mais trop beau, métallique, très joli, celui-là je crois que je vais bien l'aimer. Un autre, donc là c'est un NYX Cosmic Metal, en teinte énergie solaire, donc qui est plus orangé mais qui est super pété. Il est super beau. Donc celui-ci, je crois qu'il ne sèche pas non plus, c'est pas du matin, hein. C'est un gloss lip cream, crème pour les lèvres. Ouais. Mais voilà, il est très beau. Alors j'ai reçu un load comme ça, un line and load. Donc c'est comme ça, c'est tout fin, vous pouvez faire le contour des lèvres avec et remplir vos lèvres. Mais alors la teinte, c'est pas de la saison du tout. Hein. Il est juste ici. Après, en été, ça peut être sympa. J'ai eu un NYX lingerie, donc ça je voulais trop tester. Donc c'est un nude et c'est la teinte soubrette. Ça m'a trop fait rire. C'est un nude très foncé, marronné foncé, comme ça, j'adore la teinte, j'adore. Et celui-ci, je pense que ça va faire partie de mes favoris. Il est trop beau, il est trop beau, trop beau, trop beau. Alors, j'ai celui-ci, le Glitter Gold, et celui-là, my God, sur les lèvres. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Tiens, vous pressez les lèvres et vous avez les petites paillettes qui apparaissent. Il a déjà un fini métallique à la base et il est juste magnifique. Donc, la teinte, oulala. Bloodstone, il est juste ici, et oh my god. Par contre, entre celui-là et celui-là, quand vous devez démaquiller, j'avais plein de paillettes sur la main et plein de paillettes autour de la bouche. Mais la couleur est juste sublime. Celui-là, je pense que je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aimer aussi. Et pour terminer, j'ai eu un NYX, donc c'est un soft matte métallique en teinte Copenhagen. Donc je crois que c'est un des plus connus. Je vais le mettre juste en dessous. Donc vous verrez que la teinte est très ressemblante à l'autre au-dessus.
Il est juste un tout petit peu plus rosé. Plus marronné même. Il est juste sublime. Donc c'est un film métallique aussi. Et enfin un X suède en raisin. Et la teinte c'est Moonwalk. Donc c'est pas le Ice que beaucoup ont eu. D'ailleurs il y en a beaucoup qui ont eu le Ice en rouge à lèvres avec le crayon. Mais alors c'est un gris mauve. C'est tout à fait mes couleurs. Tadam! Oh. Donc celui-là, je sens que je vais beaucoup l'aimer aussi. Mais aujourd'hui, pour sortir un peu de ma zone de confort, je vais tester celui-ci dans les teintes un peu prune bordeaux. J'avais très envie, quoi que j'hésite avec celui-ci aussi. C'était lequel celui-là? Non. Allez, on va rester sur celui-là, c'est celui que j'avais envie de tester. Je vais d'abord faire un contour avec du nude, d'ailleurs. Donc je vais prendre le nude. Il glisse tout seul sur les lèvres. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. Franchement, la couleur, j'aime bien. J'aurais jamais pensé à mettre du bordeaux prune comme ça. Je trouvais que ça m'allait pas. Et finalement, par contre, c'est joli les dents mort. Hein. Et les miennes sont déjà pas blanches, alors là... Mais j'adore. Mmh. Donc ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, mon favori pour les yeux, ça sera sans aucun doute les paillettes. Je vous dis, il faut vraiment que j'aille en acheter d'autres. Pour les lèvres, ben, celui-ci, j'aime beaucoup. Et j'ai très hâte de tester le lingerie. Celui-ci, je pense... Je pense que ces deux-là vont vraiment faire partie de mon top dans pas longtemps. Le gloss aussi, voilà. Celui-ci, bon, c'est un rouge, je sais pas trop mes couleurs. Par contre, j'adore l'odeur. Le glitter gloss aussi, j'ai hâte de tester. Donc sur 24 produits, je dirais que j'ai ça qui m'interpelle vraiment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est même pas la moitié. Il faut être honnête, celui-ci, je pense que je pourrais bien l'aimer, mais je pense que appliqué sur un crayon noir, il sera beaucoup plus joli que ça. Et le fard à paupières aussi. Après, Nick, c'est de la bonne qualité pour les fards à paupières. Donc, on va dire que j'ai à moitié des produits en gros qui me plaisent vraiment. Les autres, il y en a qu'il va falloir que je teste un peu plus en profondeur. Par exemple, ça, je vais devoir tester. Celui-là, je vais devoir tester. Le crayon à lèvres. Le crayon à lèvres, je pense que j'aimerais bien aussi. Mais il faut que je le teste sur les lèvres. Je n'ai pas fait encore. Le crayon noir, il est magnifique, mais je sais déjà qu'il ne tient pas en muqueuse. L'highlighter, comme ça, moi, j'aime pas trop, mais je vais le tester sur les paupières. Les pinceaux, là, c'est ce qui me déçoit le plus. C'est ce pinceau-là. J'aurais préféré largement un estompeur qui me serait beaucoup plus utile, ou un pinceau plat classique. J'aurais préféré avoir deux pinceaux plats que celui-là, qui, je pense, ne me servira pas à grand-chose. Parce que c'est un duo fibre, en plus... je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, ce que je pense du calendrier, je pense qu'ils auraient pu mettre beaucoup plus de produits, enfin un peu moins pour les lèvres, et un peu plus d'autres produits. Je pense notamment à la colle à paillettes, voilà, mettre d'autres paillettes, par exemple. Une petite palette, même un quad pour les yeux, quoi, voilà, histoire d'avoir de quoi faire un maquillage complet pour les fêtes, puisque à la base, un calendrier, c'est quand même sur le thème des fêtes. Et la poudre HD. Il n'y a pas la poudre HD. La colle à paillettes et la poudre HD, pour moi, ils auraient dû être d'office dedans. Et un liner. Il manque un liner aussi. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits lèvres. Hein. Il y en a, alors attendez que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, je recommence. Donc ça, c'est un pour les yeux. 1, 2, 3, 4, 12 produits pour les lèvres sur 24, ça fait la moitié. Pile la moitié. Donc voilà, après limite c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me plaît le plus hein, dans mes favoris. Allez, on va mettre celui-là avec. C'est quasi que des produits F. Il y a les paillettes en plus, le l'highlighter qui est pas trop mal, soit entre nous soit dit, ce sera pas mon favori. Le petit foil là qu'il faut que je reteste autrement, et limite le fard à paupières qu'il faut que je teste autrement aussi. Mais, ou sinon, ouais, les produits F sont quand même les plus beaux. Je les ai tous testés sur ma bouche il y a une fois. Mais voilà. Donc, voilà ce qui
qui conclut ce petit make-up avec le calendrier de l'Avent. Après, je suis vraiment contente d'avoir reçu parce que ça permet vraiment de tester beaucoup de produits. Et vous reverrez des produits, notamment ceux pour les lèvres, dans les vidéos à venir en janvier. Notamment les swatches de make-up, j'essaierai de mettre cela en priorité pour pouvoir les tester. Et voilà, donc avant de vous quitter, je vais quand même vous souhaiter un très bon réveillon de nouvel an, une très bonne année 2020, beaucoup de bonheur, plein de belles choses, et tout ça. Soyez encore une fois très prudents sur les routes, ne buvez pas trop, enfin ne buvez pas du tout d'ailleurs si vous prenez le volant, hein, attention, pas bien. Et voilà, soyez très prudents sur les routes, mais amusez-vous et profitez du dernier jour de l'année. Et on se retrouve donc le 4 janvier pour la première vidéo de l'année. En attendant, moi je vous dis bisous.